Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce petit format que je vous proposais récemment sur la chaîne, un format info-réaction autour de l'actualité du jeu vidéo. Et déjà, merci pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Je vous avais dit que j'allais lancer ça comme ça, mais vous avez été très nombreux à me demander de continuer sur cette lancée. Et étant donné que l'actualité jeux vidéo risque d'être de plus en plus fournie d'ici au moins à la fin de l'année, la sortie des nouvelles consoles, je me dis que ce sera plus pratique de traiter ces nombreuses infos via ce format, hein, plus pratique, plus simple pour moi à monter, à expliquer, etc. Et donc, puisque j'aime bien aussi mettre des noms sur les formats que je vous propose, j'ai pensé un petit titre pour une émission, donc celle-ci, que je vais vous proposer et dont je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pensé à les points sur les J. Alors j'explique quand même un petit peu le jeu de mots. Alors les points genre comme une patate plutôt que les points comme un point, puisque ça va être beaucoup mes réactions donc à chaud et que je risque souvent voilà d'être très très subjectif. Et les J à la place des I, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer? En tout cas voilà, dites-moi ça. Si vous avez d'autres idées, dites-les moi aussi dans les commentaires, hein. Moi c'est ce qui m'est venu de meilleur, mais si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas, on pourra étudier ça, ça pourrait être sympa et en même temps ça permettra justement aux gens qui se baladent sur la chaîne de trouver plus facilement les formats qu'ils cherchent. Voilà, vous voulez des astuces sur Red Dead, ben c'est indiqué. Et est-ce que vous voulez justement l'émission réaction, c'est les points sur les J, vous avez les aventures nostalgiques, voilà. C'est plus facile d'accès, je pense, comme ça. Maintenant que c'est dit, on va revenir, vous l'avez lu dans le titre, sur le post que je vous avais laissé au lendemain de la conférence PlayStation, donc PlayStation 5. Et où on nous avait présenté la nouvelle console de Sony. Et justement, je vous demandais ce que vous pensiez du design de la PS5. Hein. Donc, vous voyez, c'est le poste en question. À l'heure où j'enregistre, vous avez été quand même assez nombreux à réagir. Hein. Généralement, vous êtes quand même moins nombreux que ça. Je m'y attendais pas. Et on a une centaine de commentaires au total, sachant qu'il y a beaucoup de réponses. Hein. Et des commentaires assez intéressants. Alors, beaucoup de commentaires vont dire « j'aime, je n'aime pas ». Mais il y en a certains... qui m'ont marqué et justement j'en ai sélectionné 5 que je vais vous lire et auxquels je vais répondre et ça va être intéressant parce que ça va être une base de réflexion sur le design, le pourquoi du comment. Et avant de commencer, bien sûr, quelques petites règles de rigueur, puisque j'imagine que ce type de format risque d'attirer des viewers qui n'étaient pas là avant sur la chaîne. Donc, je vais vous expliquer quelques bricoles. Ça va aller très vite. Alors, déjà, je vais donner mon avis et soulever des avis de personnes qui m'ont laissé des commentaires. Donc, rappelez-vous un truc, c'est tout con, mais c'est très important. Chacun ses goûts. Il n'y a pas un goût qui va être meilleur qu'un autre. Alors oui, pour soi-même, mais dans l'absolu, c'est pas une science exacte. Tu aimes la PS5, tu as le droit, tu n'aimes pas la PS5, tu as le droit. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, gardez ça en tête. Je vais vous donner mon avis. Alors, vous pourrez juger de mes arguments ou non, mais ce ne sera uniquement mon avis. Et voilà, n'oubliez pas que vous avez très bien le droit de ne pas être d'accord avec moi, comme j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, ça ne change rien. Je pense à nos vies intimes, je pense, voilà, à nos vies professionnelles, comme vous le voudrez. Bref. Ensuite, je rajoute quelque chose puisque faut savoir un truc. Alors, les anciens, vous le savez, mais les nouveaux, vous ne le savez peut-être pas. Je suis ni pro ni anti. Alors moi, les guéguerres de fanboy, pas du tout. Alors oui, effectivement, j'ai plus eu de consoles Sony que de consoles Microsoft, mais ça ne veut rien dire du tout. Je respecte le travail de Microsoft. Je trouve des qualités aux consoles Microsoft que peut-être les consoles Sony n'ont pas, et inversement. Donc, il n'y a pas de souci. Et même, vous voulez rajouter les PC. Oui, les PC sont plus puissants que les consoles. Chaque média va avoir ses qualités, ses défauts, je pense. Donc, je ne me place pas, moi, en défenseur d'une cause ou d'une autre. Ça me passe au-dessus de la tête, de malade. Donc, même si vous m'entendez dire « je préfère ce truc-là que l'autre », ça va être que je préfère ce truc-là. Pas que je préfère la gamme, que je préfère la marque, que je préfère sa tante ou son oncle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, gardez ça bien en tête. Voilà, ça ne sert à rien de venir me dire « oui, mais ne pro la 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 ». Non. Voilà, ce n'est pas un argument. Et donc, voilà, je le précise comme ça, je n'aurai pas à vous répondre. Et sinon, voilà. Vous avez compris que je ne serai pas objectif puisque je vais donner mon avis, mais que je vais quand même tâcher de rester juste. Être juste, c'est prendre un recul, voilà, relativiser sur quelque chose. Mettons que, puisque de toute façon, hein, ça sert à rien de garder le suspense, il y a écrit « je tombe amoureux ». Je préfère le design de la PS5 à celui de la Xbox Series X. Mais ça ne veut pas dire que, puisque je trouve le design de la PS5 joli, je vais trouver celui de la Xbox moche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça le délire. Je suis juste. Si Xbox propose un truc que
la PlayStation n'aura pas, même si je préfère la PS5, mettons, hein, on reste dans les suppositions, je ne vais pas me voiler la face. Je ne serai pas vous dire, ben non, mais là, faut pas se mentir, là, chez Series X, voilà, c'est un cran au-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faut garder ça en tête. Alors, là, dans cette vidéo, peut-être qu'à certains moments, je vais être un petit peu moqueur, peut-être un peu de mauvaise foi, m'en voulez pas. C'est aussi le format qui veut ça, hein. Voilà, je suis sans filet, alors je vais m'exprimer, je vais peut-être bafouiller, je vais peut-être dire des conneries, mais c'est un peu l'intérêt et c'est quand même un format qui se veut détente, un petit peu léger, donc voilà, vous comprendrez à certains moments que je suis de mauvaise foi, peut-être volontairement, donc pardonnez-moi ou ne me pardonnez pas, vous avez le droit, faites comme vous voulez de toute façon. Et de toute façon, en fin de vidéo, je vous le disais, je vais vous expliquer pourquoi ben j'apprécie, et pas je préfère, hein, j'apprécie le design de cette PS5. Voilà, ce sera mes arguments, pas rentrer dans le détail, mais vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi je préfère, en tout cas pourquoi j'apprécie fortement cette console et son design. Alors, je vous disais, les 5 commentaires que j'ai retenus. Alors, petite note à moi-même, c'est vrai qu'en lisant tous vos commentaires, alors j'en ai répondu à aucun, histoire de garder vraiment le truc comme c'est, j'ai préféré répondre en vidéo, c'est partagé, même si j'ai pu noter qu'il y avait quand même, voilà, plus de personnes qui appréciaient le design que de personnes qui ne l'aimaient pas. Alors ça c'est peut-être particulier à ma chaîne, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué. Et les commentaires que je vais vous lire, ça va pas être forcément les commentaires les mieux argumentés, ou des commentaires qui vont aller dans mon sens, mais des commentaires qui m'auront marqué, qui vont me permettre de donner mon point de vue. Et c'est ce qui va être intéressant. D'ailleurs, on va commencer avec le premier commentaire que j'ai retenu. Alors, on va masquer ça une seconde. C'est un commentaire qui nous vient de Raiden et qui dit c'est une ADSL le truc, pas belle du tout. Faut s'appeler Joris ou Jordan ou Brian pour aimer ça. Et je kiffe, voilà. Vous jugerez de l'argument, mais voilà. Et il y a quelqu'un derrière qui lui dit, alors le galérien sur lequel on va revenir plus tard, qui dit, c'est quoi un ADSL? Entre-temps, t'as Crota qui dit, ouais, je suis pas fan non plus, la couleur est bof, je préfère la Xbox esthétiquement, voilà. C'est son point de vue, hein. Vous noterez que j'ai liké, hein. Il a le droit de penser comme il veut. Et t'as Raiden qui répond, le galérien, une ADSL, c'est un modem, c'est un Livebox ou Freebox ou autre, tu sais. Et le galérien qui a compris entre-temps, il dit, ah ok, merci, c'est bon, je peux continuer ma vie maintenant. Donc voilà. Alors, le délire de Joris ou Jordan ou Brian, moi, mon pote, je m'appelle ni Joris, ni Jordan, ni Brian, et je suis d'ailleurs très loin de m'appeler par l'un de ses prénoms, et pourtant, j'apprécie le design, donc c'est n'importe quoi, même si, voilà, on va être plus sérieux, j'ai très bien compris que ce que tu veux dire, c'est que Joris, Jordan, Brian, c'est un peu déjà qui, c'est un peu le délire tuning. Ouais, mais non. Je te le répète, je suis très loin d'être un kéké, Jackie, ce que tu veux, tuning. J'apprécie, je peux te ramener des gens de tout milieu qui vont apprécier le design. Ça n'a rien à voir avec ton milieu social ou ton emplacement géographique, j'ai envie de te dire. Mais je comprends la petite blague un petit peu nulle, un petit peu facile. Voilà, les kékés Fortnite et conneries, on les connaît. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, sur quoi on va s'arrêter, ça va être, c'est une ADSL, le truc. Et je vais répondre que moi, je prends ça comme un compliment. Là, t'es en train de dire que la console ressemble à une box ADSL ou un décodeur, voilà, lié à la box ADSL. Pourquoi je prends ça comme un compliment? Parce que les fournisseurs d'accès Internet, c'est des sociétés qui pèsent de grosses sommes d'argent. Alors, j'ai pas cherché exactement, mais tu vas juste prendre Free, ça vaut de l'argent. Et c'est pas la plus grosse. Donc, ces gens-là, ils ont de quoi ben, gérer leur design. Et je rajouterai même que ce qui va être intéressant, c'est que contrairement à une console qui va sortir, une génération de consoles qui va sortir tous les 6 ans à peu près, hein, 5-6 ans, là, tous les 1 an, voire même un peu moins parfois, ils vont te proposer un nouveau média. Pas forcément un média pour remplacer l'ancien, mais moi, mettons que chez moi, j'ai Free, j'ai la Freebox de Free. Je sais que mon frère, qui a besoin d'autres services, d'autres options, on lui a proposé une autre box de Free, mais avec un autre design, avec d'autres fonctionnalités, et qui est sorti après. Ce qui veut dire que ben, ces gens-là, ces sociétés-là, elles sont obligées de rester dans l'air du temps. Et je reviens sur le fait que ce sont de grosses sociétés qui pèsent des millions et des milliards pour vous dire qu'ils ont des services de designers qui étudient
le pourquoi, comment faire fondre leur médias, leur matériel dans des décos d'intérieur, dans des salons, dans des chambres, vous voyez ce que je veux dire? Et ça coûte de l'argent. C'est pas le premier kéké, pour revenir, pour reprendre à peu près, pour rester dans le thème, qui va arriver, qui va dire, oh, on va la faire comme ça, on va mettre du blanc, on va mettre un néon en dessous, on va mettre des jantes. Non, c'est travailler parce que, voilà, ils essaient d'être dans les temps, en tout cas au niveau timing, pour ce qui va être de la mode et de la déco d'intérieur, puisque ça fait partie des meubles, hein, plus ou moins. Hein, la box internet, elle fait partie de tes meubles, elle est à côté de ta télé, elle est sur ton meuble du salon, etc. Vous allez voir, on y reviendra. Donc, je pense que bah, c'est une qualité de comparer le média qui va être la PS5 avec les Xbox et les box, le design de box qui pourrait nous être proposé. Donc, voilà, le commentaire argumenté, mais voilà, des arguments un petit peu chelous. Je t'en veux pas, Raiden, hein, mais c'était marrant. Mais c'est surtout le délire de Joris ou Jordan. En tout cas, merci à toi. On va enchaîner avec un autre commentaire, vous allez voir, qui est pas forcément pour ce design là, qui nous vient de, alors, Kizen, laissez-moi le trouver. Kizen. Alors, moi, je le lis comme ça, vous me direz comment vous le lisez. Et toi et Kizen en question, tu me diras à peu près comment ça se prononce, puisque voilà, Kizen, voilà, instinctivement, ça me vient comme ça. En tout cas, qui nous dit, Kizen, chez PlayStation, ils ont travaillé juste sur le design, alors que Xbox travaille sur la qualité du contenu et de l'image. Et pareil, t'es à côté de la plaque, mon pote. Je suis désolé. Alors, pourquoi t'es à côté de la plaque? Ça pourrait tenir la route, mais c'est simplement que ben, c'est pas possible, vu que ce ne sont pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes équipes qui s'occupent du design et les mêmes équipes qui s'occupent de l'aspect technique des machines. Là, chez PlayStation, tu vas avoir l'équipe qui vont voilà gérer les caractéristiques techniques, le SSD, le Ray Tracing, les RAM, mon cul sur la commode. Alors, je suis pas spécialiste, mais vous aurez compris. Et ceux qui vont s'occuper du design par rapport à certains paramètres et certains objectifs. Parce que tu as un message derrière le design. Et on reviendra sur le message peut-être des deux consoles, en tout cas de ce que j'en ai compris en fin de vidéo. Mais tu peux pas dire que chez PlayStation, ils avaient une équipe pour s'occuper du design. En fait, chez PlayStation, ils ont géré le design et chez Xbox, ils ont voilà, il y a qu'une équipe dans chaque marque et chaque équipe s'est concentrée sur un délire. Pas du tout. Et même, on va même revenir en fin de vidéo sur ce que j'ai compris du message de la Xbox Series X, puisque c'est pas parce que c'est un monolithe, elle est carrée, elle est toute noire que ça ne veut rien dire. Ça te passe un message. Et vous allez voir, ça peut être intéressant à analyser. Voilà, mais c'était marrant de se dire que voilà, la facilité de l'argumentaire ou bien du jugement, parce qu'il n'y a même pas d'argument. Oui, ils ont travaillé sur... J'aime pas le design, alors on va dire que PlayStation, on travaille simplement le design. Non, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'était sympathique. Tu m'as fait un petit peu rigoler, donc c'est gentil. Je vous parlais du galérien, donc le galérien qui doit être par ici. Alors, ben, le galérien, t'es tombé, voilà, c'est tombé deux fois sur toi. Donc, merci d'avance. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que le galérien nous dit que la manette, en tout cas, il la trouve juste dégueulasse, mais la console est magnifique et qu'il aime beaucoup le côté futuriste. Pareil, voilà. Tu peux aimer, tu peux pas aimer. D'autres personnes, souvent, ont dit « Je kiffe la manette, mais je n'aime pas le design de la console. » Voilà, c'est un choix comme un autre, hein, tout simplement. Mais alors... là où je vais revenir, alors ça va se passer en deux points, c'est que, alors moi, je kiffe le design des manettes PlayStation. Depuis le premier, ça sortait des sentiers battus. Voilà, il y avait une envie de créer, de faire de l'original. Par contre, manette en main, ergonomiquement parlant, il faut avouer que chez Xbox, c'est beaucoup, beaucoup plus confortable. Sont clairs et nets. Et faut pas se mentir, c'est pas pour rien que Nacon chez PS4 ont commencé à proposer des manettes qui s'inspirent beaucoup plus du design des manettes Xbox que de celui des manettes PlayStation. Prenez les trois, vous mettez la Nacon au milieu, une Xbox, même une Xbox 360 hein, à gauche, une manette PS3 ou PS4 à droite, et vous me dites la Nacon ressemble à laquelle. Donc voilà. Mais tu peux la trouver physiquement dégueulasse. Là, je vous parle ergonomiquement parlant, c'est quand même plus confortable chez Xbox. Mais bon, c'est pas le fond de la question. Là, ce que je vais retenir, c'est qu'il aime beaucoup le côté futuriste. Et futuriste, c'est ce qui va être intéressant. Pourquoi? Parce que je vous disais juste avant, en répondant à Raiden, que c'est un compliment de comparer le design de la console à une box d'un fournisseur d'accès, d'une box ADSL, puisque ces box-là étaient designées pour être dans l'air du temps.
là, c'est encore plus important puisque là où un fournisseur d'accès peut proposer une box différente tous les 2 ans, tous les 3 ans, là, on est parti sur 5, 6 ans, voire plus, parce que on va prendre l'exemple de la PS4 qui est sortie en 2013. La PS4 est sortie en 2013 et c'est que fin 2020 qu'on va avoir une nouvelle console. Donc on est déjà à 7 piges. Sachant que c'est pas parce qu'une PS5 va sortir que la PS4 ne va plus être en circulation. Il va falloir encore 2, 3, voire plus d'années avant que le gros des joueurs, des possesseurs de consoles Sony passent complètement à la PS5. Et ce ne sera jamais tout à fait le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a encore de beaux jours devant elle et ça va être aussi le cas pour la PS5. Elle est sortie en 2020, elle sera là jusqu'en 2026, 2027, minimum. Hein. Donc, pour le coup, le design que propose Sony aujourd'hui pour sa PS5, c'est pas le design qu'il nous propose pour 2020 ou 2021. C'est le design qui doit rester à la mode, qui doit rester dans l'air du temps jusqu'à minimum 2026. Sachant que la mode va évoluer, que la déco d'intérieur va évoluer. Il n'y a qu'à voir un peu ce qui est proposé en termes de déco de nos jours. Les formes des éléments, des mobiliers, etc. Donc, dites-vous qu'il faut que la console soit adaptée à ses temps. Il ne faut pas qu'elle soit trop choquante. Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'on lui reproche. C'est que les gens ne sont pas prêts. Ça fait Jackie, ça fait futuriste, etc. Alors, ça peut plaire ou ça ne peut pas plaire comme on le voit là maintenant. Mais c'est un peu ce qui revient beaucoup. Mais si elle est un peu choquante actuellement, de par son design, peut-être que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on se sera habitué à son design, mais le reste des éléments qu'on va pouvoir avoir décoratifs pour rester vraiment sur la déco d'intérieur de sa maison, de son appartement, vont suivre ce mouvement-là et elle passera inaperçue à ce moment-là. Et ce sera beaucoup plus cohérent en termes de design, vous voyez ce que je veux dire? Puisque on parlait des équipes de designers qui cherchaient quel message transmettre par rapport à la forme de leurs médias, mais là c'est pareil. Là ils ont fait travailler une équipe de designers pour que le design reste cohérent de 2020 à 2026 minimum. Et il faut garder ça en tête. C'est pas parce qu'elle paraît futuriste maintenant que on ne s'y habituera pas et qu'on n'y arrivera pas forcément. Qu'on n'y arrivera forcément pas, plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je trouve que c'est couillu, parce que là où la Xbox Series X ne prend pas de risque, ce n'est pas une critique, mais se concentre sur un design basique qui est hors du temps et qui aurait très bien pu être à la mode en 80, comme en 90, comme en 2000 et comme maintenant, hein, puisque voilà, elle n'a pas de caractère particulier. Là, Sony a pris un risque, mais le risque a de grandes chances d'être cohérent, parce que vous n'êtes pas prêt, mais vous allez vous y habituer. Et comme vous le savez, d'autant plus en 2020, on l'a compris, on s'habitue à tout. Et ce design, vous allez vous y habituer. Et je suis sûr que la majorité des personnes qui disent « elle est dégueulasse, on dirait une console de Jackie », une fois qu'ils vont la voir chez eux et qu'ils vont se rendre compte qu'elle se marie très bien avec le reste de l'environnement, vont se dire « ah oui ». Mais là, ça reste un argument puisque je kiffe le design. Donc voilà, c'était pour le commentaire du galérien, comme quoi. On va passer à Dark Fanfather, qui est juste là, vous avez vu. Alors, c'est pas fait exprès, j'aurais pu remonter, mais ça tombe bien, c'est plus facile à trouver. Dark Fanfather, qui me dit, alors, joli ne veut pas dire plus puissant, et surtout mieux que la Xbox Series X. On est tout à fait d'accord, ce sont deux propositions différentes, même si il faut... Voilà. En termes de cohérence, il faut quand même que le design corresponde à la proposition technique. D'après les sources, elle afficherait seulement du 4K 30 FPS, ce qui est ridicule. LOL, la One X fait mieux. Bref, ça reste à voir. Et là, voilà, c'est une rumeur. C'est une information qui tourne beaucoup à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais qui n'est pas avéré, qui n'est pas confirmé par Sony, c'est simplement, je n'ai plus le titre du journal, en tout cas voilà, c'est une enquête, alors ça tient la route, hein, c'est basé sur des faits, hein. C'est pas des gens qui ont inventé ça parce qu'ils ont vu une cinématique sur YouTube, ils ont analysé leur truc, en plus c'est à ce qui paraît, c'est une source qui est quand même assez correcte, le truc c'est que, on ne sait pas, alors, c'est des suppositions, c'est basé sur des faits, mais on ne sait pas, rien n'est confirmé tant que tu n'as pas les deux consoles dans les mains, tant que quelqu'un ne les a pas testées physiquement avec des jeux à leur date de sortie. Parce que je veux dire, tout est en cours de travail là.
On est au mois de juin, les consoles sortent en décembre. Alors oui, je pense qu'elles sont viables. Elles sont terminées. Ça va être les développeurs qui vont peaufiner leur jeu. Mais là où je me dis la Xbox fait mieux, puisque 4K 30 FPS. Déjà, premier point, on se base sur des vidéos de présentation de jeux. Lorsque tu regardes ta vidéo de présentation de jeu, tu es quoi? Tu es spectateur. Pour un spectateur, qu'est-ce qui va être intéressant? La résolution. Donc, on va te présenter une belle résolution. Alors, tu as perdu peut-être en FPS, mais ils ont tout axé sur la résolution parce que toi, le but, c'est de t'impressionner avec les images que tu vas voir. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui tient la manette. Quand tu vas tenir la manette, selon les jeux auxquels tu vas jouer, bien sûr, mais tu auras peut-être besoin d'avoir peut-être une qualité graphique un peu moindre, mais de gagner en fluidité, donc en FPS. Mais vu que le but des présentations de jeux n'était pas de te faire ressentir le jeu, plutôt de te faire découvrir les ambiances et ce que vont être les jeux, ben ils ont peut-être voulu se concentrer uniquement là-dessus. Et je me base pas sur n'importe quoi, puisque j'ai une PS4 Pro. Et si vous regardez actuellement sur de nombreux jeux qui sont sortis récemment, même des jeux qui ont été mis à jour récemment, on te propose sur PS4 Pro des options justement qui te permettent d'axer ton jeu sur la résolution ou sinon sur la fluidité, les FPS, en tout cas surtout sur la fluidité. Et ça actuellement, on l'a comme option. Je citerai Monster Hunter World par exemple, où on te demande au début, est-ce que tu veux de beaux graphismes et des FPS bloqués à je sais pas combien, ou plutôt une belle fluidité, justement un gameplay qui va être voilà, plus axé, plus vif, mais une qualité graphique plus basique. Si les consoles actuelles le proposent, pourquoi les futures consoles ne le proposeraient pas? Parce que le gros exemple, ça va être Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, c'est quoi? C'est un jeu d'aventure, beaucoup basé sur la découverte, sur l'exploration. Donc bien évidemment, qui veulent que l'exploration en jette? Parce que tu vas t'arrêter sur des panoramas, tu vas pas bombarder au milieu d'un panorama, vous voyez ce que je veux dire? Alors que maintenant, je ne sais pas s'ils devaient adapter Warzone sur ces consoles, sur la PS5, mais Warzone, je pense que ce serait plus sympa, plus intéressant, en tout cas, de se concentrer sur les FPS plutôt que sur la résolution, puisque ben, les FPS, c'est des jeux où ça demande du dynamisme, de la vivacité, etc. Je veux dire, donc, selon le jeu qu'on va te proposer, ce ne sera pas la même utilité. Tu vas avoir des jeux qui vont être beaucoup plus sympa de par leur graphisme, d'autres qui vont être beaucoup plus pratiques de par leur fluidité, justement leur nombre de FPS. On ne sait toujours pas, on est surtout dans des suppositions. Moi-même, je vous donne des exemples. Là, je parle d'expérience, de ce que j'aurais pu en voir, en réfléchir. Je sais, ça se dit pas, mais il est 3 h du mat quand j'enregistre. En tout cas, vous aurez compris que, voilà, faut pas trop s'emballer. Et là, vraiment, oui, Jolie ne veut pas dire plus puissant. Mais il ne faut pas se baser sur des sources simplement pour te dire que la Xbox One fait mieux, puisqu'on ne sait toujours pas. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas eu la présentation de la Xbox Series X, donc on ne sait toujours pas ce que ça vaut à l'écran. Ça se trouve que les vidéos et les trailers qu'on va nous proposer seront du même acabit que ceux de la PlayStation. Je ne sais pas. Espérons qu'ils soient mieux. En tout cas, voilà. Et on terminera avec le dernier commentaire. Vous voyez que je m'étale beaucoup, beaucoup, qui sera un commentaire. Alors, c'est le seul commentaire qui est plus ou moins dans ma direction que j'ai pris parce qu'il était sympa. C'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai lu les premiers commentaires sur Twitter. Twitter, hein, pas sur mon poste, mais alors bon pour les râleurs, proposer un design à PlayStation avec le mec blasé à côté. Vous êtes sérieux? Et là, t'as Alvaro qui lui répond, et là j'aime bien parce que c'est tout en subtilité. Écoute, on a le droit de dire qu'on ne la trouve pas à notre goût. Tout à fait, tu as totalement raison, et il faut le dire. Elle a un design particulier. Certains avaient traité la Xbox de frigo à cause de ses dimensions, mais la PS5, elle est monstrueuse. Je sais pas comment elles vont tenir dans mon meuble de télé. Il n'est pas extensible, je confirme, parce que moi aussi. Mais j'apprécie cette réponse, parce qu'elle aurait pu, voilà, ça aurait pu finir en bagarre, voilà, en dispute, tu vois, en crépage de chignon, ce qui n'est pas le cas. Alors, je vais commencer par Nicolas, lui, effectivement, pour les râleurs, proposer un design. Ça ne veut pas dire que t'as pas le droit de ne pas la trouver à ton goût. On parle de râleur. Parce que autant tu as le droit de ne pas la trouver à ton goût, de la trouver trop grande, de dire que les couleurs ne correspondent pas à ta déco, mais elle est moche, elle est dégueulasse, 3 points d'exclamation, c'est pas un argument, mon pote. Vous voyez ce que je veux dire? Et là où
où je pense que ça va faire la différence. Alors, en aucun cas, je suis en train de valoriser certaines personnes ou pas, mais j'ai remarqué que les personnes qui n'étaient pas dans la création avaient beaucoup de facilité à juger. Pas à critiquer, à juger. Tout le monde critiquera. Je vais donner un exemple tout con. Moi, j'ai toujours été dans la création. Voilà, j'ai toujours écrit, dessiné. J'aime bien créer des trucs. Voilà, partir de rien et créer un truc. Surtout dans l'artistique. Et donc, quand je vais analyser, quand je vais étudier un truc, ou je vais voir un truc tout simplement sans même forcément réfléchir à la valeur du truc, instinctivement, je vais me mettre à la place du créateur, puisque je connais cette sensation de créer un truc, de partir de rien et d'essayer. Puisque quand tu crées, oui, tu étudies, mais beaucoup de ce que tu vas proposer vient de toi. Donc j'essaie de mettre à la place la personne qui propose pourquoi, comment, dans quel sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'aide à comprendre peut-être, à appréhender les intentions de ce que la personne va présenter, va créer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si toi, tu n'es pas dans la création, tu te bases sur un fait. Et pour peu que toi, dans ton imaginaire, tu voyais le truc différemment, et qu'il ne soit pas comme tu le veux, pas qu'il soit moins bien, mais juste qu'il ne soit pas comme toi, tu l'imaginais, eh bien, tu peux très facilement dire « Non, c'est moche. » Voilà. C'est pas comme je veux, c'est moche. Et on a beaucoup de facilité. Surtout que de nos jours, on n'a plus besoin de créer. Tu peux fabriquer, mais tu ne crées plus rien. Tout a été créé. Donc, derrière, c'est encore plus facile puisque tu as tout devant toi et donc tu n'as plus qu'à juger et choisir ce qui t'intéresse parmi le flot de ce qu'on va te proposer. Donc, oui, tu peux ne pas la trouver à ton goût, mais c'est moche. Stop, ce n'est pas un argument et malheureusement, c'est s'éloigner de l'intention du créateur, ce qui te rend pas crédible, tout simplement, hein, parce que on parle pas crédible envers les gens, parce que quand t'as un argument, excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse, mais quand t'as un argument et que tu crois en ton argument, tu vois que c'est un truc, c'est réfléchi, c'est moche, eh ben tu te sens plus crédible et tu vas être plus apte à défendre ton argument. Tu vois, alors oui, tu peux faire le troll, c'est de la merde, c'est un truc de kéké, mais je suis pas sûr que toi, tu crois en ton idée, tu vois ce que je veux dire. Et si toi, tu ne crois pas en ton idée, crois-moi que personne va croire en ton idée, à part les mecs qui vont être dans la même psycho que toi, tu vois ce que je veux dire. Donc, au bout d'un moment, oui, tu peux ne pas aimer, c'est bien d'argumenter, mais c'est aussi bien, pas forcément de faire preuve d'empathie, mais d'essayer de se mettre à la place du créateur et de voir, d'essayer de comprendre pourquoi. Juste se poser la question, pourquoi? Pourquoi ils ont créé cette console comme ça? C'est tout con. Je vous l'ai expliqué. Pour moi, ils ont créé cette console comme ça pour qu'elle soit, elle paraisse peut-être un peu futuriste maintenant, mais qu'elle soit toujours d'actualité au moment où elle arrivera à sa fin de vie. Et ça va être intéressant de voir si c'est le cas ou pas selon l'évolution de la mode. Bref, en tout cas, vous l'avez vu, c'était là les 5 commentaires. J'ai développé un petit peu, c'est vrai qu'on met beaucoup de temps hein, lorsqu'on parle et qu'on n'a pas de fil rouge, qu'on n'a pas de texte. En tout cas, voilà, moi, vous l'avez compris, je kiffe la PS5, je kiffe son design. Il est, oui, particulier, on le voit, il est très particulier, mais moi, je trouve qu'il est sobre. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas d'antenne, elle n'a pas un bras qui sort du dos, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout en courbe, voilà, c'est assez stylisé, je trouve ça, c'est doux. Elle n'est pas brusque, il n'y a pas de coin dur, vous voyez, même les coins, c'est pas totalement, c'est pas des angles droits, c'est pas des angles aigus. Je trouve ça stylisé. Alors, c'est bien quand c'est carré, mais moi, je kiffe ce qui est asymétrique, voilà, surtout au niveau de la déco, j'aime pas quand tout est droit. Même les photos, je les prends toujours légèrement en biais. Tu vas peut-être pas capter, mais c'est légèrement en biais, parce que voilà, ça fait partie de ma personnalité, et pour le coup, ça correspond tout à fait à ma vision du truc. Je kiffe le fait qu'elle soit blond et noir aussi, je kiffe. Alors le blanc c'est salissant, le blanc ça va pas avec tout, mais moi ça me parle, donc pour le coup vraiment je kiffe vraiment beaucoup ce design. Et de toute façon, un paramètre très important dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais tout va dépendre de l'environnement dans lequel vous allez la déposer. Parce que si tu mets ça, alors vous savez quoi, on va aller hop, meuble de salon, j'allais commencer à lancer la recherche, hop. Tant que ça charge, voilà. On va juste regarder rapidement. Si toi, tu as ces meubles-là, et encore, ça va, ça fait vieux au niveau de la couleur, mais c'est quand même stylisé. Voilà, j'ai tapé meuble de salon TV, hein, j'ai pas cherché de style particulier. Peut-être, mais moi, mon salon, il est plus dans ce délire-là, avec les petits LED.
Et encore une fois, je vais répondre, les mecs qui vont dire, ouais, les LED, c'est Jackie. Non, les LED, je vous explique tout de suite, parce que, voilà, avant de s'énerver, c'est très intéressant lorsque la nuit, tu veux éteindre ta lumière et t'as pas envie de te prendre une migraine à force d'être noyé sous les lumières vives de ton écran. Et je vous conseille ce genre de petit meuble avec des LED, ça crée une légère lumière tamisée et c'est beaucoup plus reposant. Pas reposant, mais moins fatigant pour les yeux. Et donc, il y a ça, mais moi je trouve ça beau gosse, c'est sympa. Alors t'as ta petite vaisselle un petit peu, qui brille un petit peu en transparence avec le truc. Moi, je suis plus dans ces designs et oser me dire que la PS5 ne se marie pas ici. Alors, si elle rentre pas ici, on cassera le tiroir d'en dessous. Mais même, on peut la mettre là, on peut la mettre là. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, dans mon délire à moi, ça va très très bien. Là, par exemple, si je devais déménager, je prendrais un petit truc comme ça. Je kiffe, ça fait futuriste. Moi, j'aime bien les trucs stylisés. Et là, pour le coup, si je devais changer, je prendrais un petit bloc comme ça. Ça pourrait être sympa. Alors, un peu classique, on a ça, on a toujours les LED. C'est vrai que là, ben, je verrais mieux une Xbox Series X. Ça passe mieux. Tu la poses dans un petit coin noir sur noir, tout en sobriété, tout en voilà, en simplicité, hein, je viens de te dire. Ça peut le faire, mais tout dépend de l'environnement. Si tu as ça, tu préféreras peut-être la Series X. Si tu as ça, ben moi je trouve perso que la PS5 se marierait très bien. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a son point de vue, son imaginaire, ses envies, il y a aussi l'environnement dans lequel tu vas poser ta console. Et je pourrais très bien aller chercher, je sais pas, setup, console, les meilleurs setups, tu vas trouver des photos. Et c'est beaucoup dans du blanc, du bleu et du noir, puisque c'est la mode actuelle. Donc, et à aucun moment, la console s'éloigne de ces critères-là, vous voyez ce que je veux dire ? Même si moi, je te montre mon setup, j'ai pas de setup, moi j'ai pas de néon dans ma chambre. Moi dans ma chambre, dans mon bureau, là où je travaille, on va dire, j'ai ma console, j'ai mon PC, c'est tout simple, c'est claqué. Moi le but c'est d'avoir une télé correcte, une console correcte, un PC correct et du matériel correct. Derrière les meubles, ils sont claqués. Par contre mon salon, voilà, t'as les invités, donc j'ai pris un petit truc comme ça, ça fait plus sympa. En tout cas voilà, vous l'aurez compris, il y a tout ça qui fait que je kiffe ce design de la PS5. C'est pas très compliqué à comprendre. Même si j'apprécie totalement le design de la Xbox Series X. Alors, je me suis noté quelques petits trucs. Alors, pour moi, la Xbox Series X est... alors, j'aurais dit sobre, mais j'avais déjà dit sobre pour la PS5. D'ailleurs, on va juste... là, voilà, histoire qu'on voit. Elle est très épurée, vraiment très épurée. Alors, tu as les connectiques, mais de l'extérieur, tu sais pas. Voilà, c'est un cube, c'est un monolithe, il est là, il est posé. Et le message que je comprends, de ce que Microsoft pourrait vouloir me dire, c'est tout se passe à l'intérieur. Tu veux savoir ce que la console a dans le ventre, ouvre le ventre, allume-la, tout simplement. Voilà, c'est la simplicité. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est simple que ce n'est pas réfléchi. Et ça aussi, c'est très important. Autant je vous disais, pour la PS5, ils ont peut-être pensé, c'est mon point de vue, à rester avec un design qui va être cohérent encore dans 5-6 ans. Autant, c'est pas parce que c'est un carré noir que ça n'a pas été réfléchi. Microsoft, depuis longtemps, enfin depuis Neil Druckmann, j'ai oublié, bref, les blazes, ça va, ça vient. En tout cas, le mec te disait... nous, c'est les capacités. Voilà, nous, c'est les capacités, on donne tout sous les capacités. Et donc, le message, même au niveau de la communication, c'est malin. Puisque vu qu'on mise tout sur les capacités, on va t'ajouter encore, ça va t'envoyer ce message avec la forme de la console. Nous, on s'en fout, soi-disant, du physique. Ce qui va être intéressant, c'est ce que la console a dans le ventre. Mais c'est le message, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils ont pensé, parce que le design, ils ne s'en foutent pas du tout. Croyez-moi, tu as une grosse équipe qui ont travaillé sur le design de la Series X, j'en mets ma main à couper, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait peut-être plus l'unanimité que la PS5. En tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression de constater, il y a moins de clivage au niveau du design de la Xbox Series X que sur celui de la PS5. Donc voilà, je pense que le message que Xbox a voulu nous envoyer avec ce design, c'était ça. Pour la PS5, ça va être plutôt, voilà, on reste dans l'air du temps, quoi qu'il en coûte. On est dans l'air du temps en 2020, on sera toujours dans l'air du temps en 2026. Et le message, c'est peut-être, voilà, on a pensé à tous les détails pour satisfaire tout le monde. Parce que, oui, le design a été travaillé, on va essayer de plaire un petit peu aux mecs qui aiment tout ce qui est un peu style, un peu dans les courbes. Mais derrière, beaucoup de la communication de Sony est aussi sur les compétences. Et de toute façon, évidemment, on parle de console de jeu. Si tu ne penses pas aux caractéristiques techniques,
tu vas droit dans le mur, ou tu fais un délire à la Stadia. Ce que je veux dire. Donc voilà. En gros, je pense que ça va être plus ou moins ça, en tout cas de ce que j'en ai compris. Vous comprendrez que je ne parlerai pas des caractéristiques techniques, puisque ben, faudra attendre d'avoir véritablement du concret, comme je le disais. Mais j'attends vraiment la conférence dédiée à la série X pour voir un petit peu ce qu'ils présentent. Voilà, en termes de trailer, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que lorsqu'on va découper les trailers, est-ce que lorsqu'on va, on va disséquer les trailers, on va se rendre compte qu'on est sur du 4K 30 FPS ou pas? On pourra faire plus de comparaisons à ce moment-là, mais il ne reste, il reste quand même que ça va être plus intéressant à étudier une fois qu'on va avoir les consoles dans les mains et que des spécialistes pourront les tester comme ça avec les jeux, avec le temps de création, le temps d'optimisation, etc. Voir ce que ça va pouvoir donner et surtout avec les options qui vont être proposées puisqu'on n'en sait encore rien. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait même beaucoup plus le tour que prévu. Désolé si la vidéo est encore longue. Comme d'hab, je vous conseille de l'écouter, j'aurais dû dire ça en début de vidéo, mais voilà, dans les écouteurs, dans la voiture pendant que vous faites un truc, vu que les images sont pas forcément le plus important. Dans tous les cas, continuez à me dire ce que vous en pensez avec vos arguments. Ou pas en fait, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Si vous voulez faire les trolls, faites-vous plaisir, ça me fait toujours rigoler. Donc si vous voulez me faire sourire, n'hésitez pas à m'envoyer vos pires commentaires, vos pires arguments. Vous savez quoi, on va faire un jeu. Envoyez-moi vos pires arguments à la con. Pourquoi vous préférez ou vous détestez l'une de ces deux consoles avec le truc le plus basique, le plus con. Voilà, ça me fera rire. Pourquoi pas vous lister ça via un post ou pas. Je vous le disais, on va continuer avec ce format prochainement. Je vais essayer de le peaufiner, hein, parce que c'est la deuxième vidéo que je traite comme ça en direct. C'est assez compliqué à faire comme ça en freestyle, puisque j'ai tendance à m'étaler sur beaucoup de choses. Pour le coup, j'ai envie de traiter sur The Last of Us partie 2, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'hypocrisie hein, quant au traitement de ce jeu, entre ceux qui le surkiffent plus qu'ils ne devraient et ceux qui le détestent, tu ne sais pas comment. On va arrêter l'hypocrisie, je vais vous donner mes arguments, mon point de vue, on en fera une vidéo, on en parlera, on pourra en débattre dans les commentaires. Et sinon, je voulais aussi vous lister les 5 jeux qui m'ont marqué au niveau de la conférence PS5. Alors ça va pas être forcément les jeux les plus fascinants de ce qui a été proposé, c'est simplement les 5 que j'ai retenus selon ma façon de voir le jeu vidéo et ce que je kiffe dans le jeu vidéo. On aura l'occasion d'en parler via ce format toujours. Si cette vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à le signaler avec un like, c'est comme ça que je verrai que vous appréciez ce format. Voilà, comme ça on fait évoluer la chaîne comme ça. Vous aimez, on continue. Vous n'aimez pas, on en fera peut-être moins, pas forcément annuler le truc, mais en faire moins. On fait en fonction, de toute façon, de l'actualité, des délires de chacun. Dans tous les cas, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits.